Je suis coach de Meonia Nimukusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement les liens de l'invité. Que tous ceux qui respirent l'éternel ont été manangas et comme ça yo. Mabanzonanga et sanjola yo. Oh, nana zomona et longoli bonzame na yote. Oh, et tous au vivre et longoli bonzame na yote. Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Et tu roule à ta pona yambalo yo. Colon, ou te mananga. Come sai yo Oh Yahweh kum mama Oh Yahweh kum mama na yo Elombe Yahweh kum mama na yo Oh Yahweh kum mama Atananu na balite na kokome sai yo Atasoki na botite na kosanjo na yo Taba pasi elie intoto Tope na malajo yon nabike te kolo Niyambalo yembo nanga Nibonza motema nanga Motema nanga kotenda na kumisa yo Oh Yahweh kumama Hospitalisé, et toi qui es arrêté, prisonnier, et toi qui as toute une panoplie de soucis, des équations non résolues. Les seigneurs connaissent tous tes besoins. Oh, mais avant tout, le kumisa kombona yesue. Avant tout, le tomola kombona yesue. Lorsqu'il est levé, le chêne tombe. Lorsqu'il est levé, les problèmes tombent. Lorsqu'il est levé, les maladies guérissent. Mais avant tout, le kumisa kombona yesue. Avant tout, le tomola kombona yesue. Oh, Yahweh kumama. Hey, Ferré,
Ferré. Ferré, dame, ferré, yesu, ferré. Pardon. Pardon. Ferré. Ferré. Pardon. Nalali pangite butuka kako kanisa. Yesu. C'est-à-dire, je suis rentrée exténuée. Je me dis, bon, je dors. Comme ça, demain, on va parler et on pour la thé. Non, mais je ne pouvais pas dormir avec cette information. Non, mais Ferré, quand même. Tout ça pour ça? Non, mais tout ça pour ça? C'est pas possible. Tu m'as mis ce coquin à saigner en secours. Bébé, fungola motema. Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau dans ce second live. J'espère que vous allez très très bien, moi ça va. On a fait la première partie pour parler de la décision de Fally Ipupa de quitter le navire en fait. Il a décidé de laisser tomber le Méli-Mélo, le Sangissa et Tindikatiakal. Il a décidé de refuser de se mélanger. Il ne se mélange pas, ok? Il est l'épice dominant. Il ne se mélange pas. Il est l'épice dominant. Alors, je pense qu'on a fait un live avec Tonton Beb. Ceux qui n'ont pas suivi, vous irez suivre juste après ceci. Alors là, ce soir, on commence la deuxième partie de notre live comme prévu, mais avec beaucoup d'informations parce que entre l'instant où Fally a communiqué le fait qu'il se retirait de la francophonie et maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, oh beaucoup trop. Can you imagine, guys, que Gaz Mawete et Gali Garveil se retrouvent dans la liste des personnes qui vont prester pendant qu'ils n'ont jamais été contactés? Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Gali Garveil a son concert le 4 août. Vous pouvez imaginer le niveau de désordre. Et à l'heure où nous parlons, Ferré Gola a fait une vidéo, il y a de cela quelques minutes sur ses réseaux sociaux, où il dit « Rendez-vous le 6 août au Stade des Martyrs. Rendez-vous le 6 août au Stade des Martyrs pendant que la francophonie nous informe que toutes les activités prévues au Stade des Martyrs sont délocalisées pour le Palais du Peuple. » Comment est-ce que les prestataires ne sont pas informés? Ça, c'est le désordre, mais son high level. Ça a atteint un autre niveau. Au fait, Jean, je suis sans voix. Bienvenue. Très cher organisateur de la francophonie, jusque-là, tout allait bien. Jusque-là, tout allait bien. C'est maintenant que vous comprenez que vous êtes en République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas partir d'ici sans savoir que vous étiez chez nous. Ça n'allait pas être possible. Ça allait être impossible de sortir de la RDC sans être bléi, sans être secoué. Oui, bienvenue chez nous. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo. Ça. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach. Demain, on est Ngimoukou, c'est le hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement malaise, le gouvernement pandilicolo, le gouvernement lipoa. Installez-vous confortablement. Likez, commentez, partagez massivement le lien de nos vidéos. Coucou à tous mes sponsors, à tous mes partenaires. Le www.maliane.com. Ok, oui. Les produits d'hygiène intime de qualité. Oh, moi, j'ai des démangeaisons. Oh, moi, j'ai des règles douloureuses. Oh, moi, j'ai fibrome. Oh, moi, j'ai règles irrégulières. Tous ces problèmes sont résolus chez Maman Maliane. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont des problèmes de ballonnement. Le ventre n'est pas très gros, mais ils ont un problème de ballonnement, de gaz en désordre, etc., etc. Vous savez que nous avons un thé qui vous aide à soulager ce problème-là. Mais moi-même, j'ai commandé ça parce que j'en ai besoin. Au lieu de faire chez EJ, je n'ai pas encore l'argent pour l'hypo ou je ne sais pas moi quoi, aller retirer mes graisses de mon ventre. Donc, je vais prendre ce thé-là pour me dégonfler le ventre un tout petit peu. Vous en avez besoin? Contactez-moi sur le numéro qui s'affiche là. N'hésitez surtout pas.
également envoyer de l'argent par TapTapSend. OK? Envoyer de l'argent par TapTapSend. Code promo demeure. Si vous voulez envoyer vers la République démocratique du Congo, 2,5€ ou 2,5$ de frais de transfert, peu importe le montant que vous envoyez. Vers le Congo, Brazzaville, zéro frais de transfert. Et comme pour Maman Malienne, pour les produits maliennes, je disais www.malienne.com ou mon numéro ou l'Instagram de Maman Malienne. Et à l'heure où je vous parle sur Bellevue TV, nous avons notre série Le Monde déjà disponible. Allez suivre cette série. Allez suivre la série, hein, je vous conseille. Ah, vous aimez Congo ça, mais allez vous faire, allez apprendre des informations, apprenez, allez vous enseigner là-bas. On va vous enseigner là-bas sur Bellevue TV. Ramenez un papier, un stylo pour nous télématés à ce passe là-bas. La série Le Monde, une très belle série. Oh my God. Donc voilà. Autre chose à ne pas oublier, Madja Bourafi qui c'est pour dans pas longtemps. C'est pour dans pas longtemps, guys. Et le pasteur Michael Kalamba, il est en tournée aux États-Unis. Il arrive, tenez-vous prêts. Mais notre stade est martyr à nous. C'est le 27 juillet 2024. Bisotukunagaboui. Bon. Pendant que nous réfléchissons à l'inauguration de DAB, qui demande beaucoup d'argent, on a fait trop de réunions en conférence téléphonique qui donne la migraine. Les chiffres, Seigneur, sauve-nous. Les autres, oh, maman Denise, d'autres, oh, maman, oh, maman Olive, nous, on n'a que toi, Seigneur. Les autres, oh, maman Denise, les autres, oh, maman Denise, nous, on n'a que toi, Seigneur. Jésus fait quelque chose. J'ai jamais vu tout un peu, Jésus. C'est quel projet ça où l'argent sort tous les jours, ça ne s'arrête pas. On va voir ça où? On vend les reins? On vend les reins, Seigneur? On vend les reins? Eh Seigneur! Les autres mamans Denise, les autres mamans Olivier, on n'a personne. Depuis on a commencé à dépenser, on va vendre nos reins? On vend nos reins? Hein? Thierry Mombaya, quel bon rein même. Il a quel bon rein. Quand vous voyez Ben, vous pensez qu'il a un rein? Hein? Le gars, depuis que je le connais, il ne prend pas du poids. J'ai l'impression même qu'il fait que maigrir. Bref, depuis que je le connais. Hein? Est-ce qu'il peut avoir même tout un rein en entier? C'est quel rein qu'on va vendre? C'est quel bon rein? Moi, je suis court de taille. Il faudra encore que je trouve quelqu'un qui a ma taille, qui a besoin d'un rein. Parce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un qui est grand de taille mon rein. Seigneur, c'est quel projet ça? Oh Dieu! Viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. J'arrive plus. C'est trop. C'est quoi ça? C'est où mon bayazaka mounene? Hein? Il a quel bon rein? Son vieux rein là. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Un projet où on sort seulement l'argent. Et considère mon colonie, yes, ouais! Yonzamboyo! J'ai dit, hein? Francophonie. Si c'est les gens pour presser dont vous avez besoin, je pense que vous pouvez me mettre aussi sur la liste. Parce que dans le niveau de désordre que vous avez là-bas, il ne suffit plus qu'on nous appelle nous autres. Il ne manque plus qu'on nous appelle nous autres. Aïe, c'est quoi ça? C'est quoi ça, mon Dieu? Pour ceux qui avaient un tout petit peu de pincement au cœur, parce que Fally ne va pas presser, vous savez dégoûter les gens, hein? Peut-être qu'il y avait des gens qui avaient un peu de pincement au cœur en se disant que ouais, Fally ne va plus venir, ça nous a fait mal. Nous, on a prévu nos bling-bling. On était déjà allés acheter nos habits blanches, complets, blancs et tout, pour venir là-bas et nanani et nanana. Allez, ils entendent encore que vous allez mélanger tout le monde. C'est sardine. Qu'est-ce que vous faites au fait? Ce mélange-là que vous faites, hein? C'est quel repas ça? Pour la petite histoire, asseyez-vous. Likez pour stabiliser le direct. Hey! Je suis là, oh, Amor Anissa, je suis là. Maximisez les likes, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui m'ont raté la journée, faites pas attention à Fabiana Amouri. Elle a une dette envers Melkani. Comment est-ce qu'une tantine peut avoir une dette envers une petite fille comme ça? Fabiana, honte à toi. Fabiana Amouri, honte à toi. Toi, Fabiana, à chaque fois que tu as commencé à entrer dans mes lèvres, Fabiana, je t'ai mis en garde. Que je l'appelle.
Fabiana, que j'appelle Melkani. Même moi, je fais mieux l'organisation anniversaire de ma fille. C'est quoi ce désordre organisé là? Je dis, mettez le maximum de likes, s'il vous plaît. Je vous explique pour la petite histoire. Donc, depuis hier, nous autres, on était au courant que Fali n'allait plus prester. Nous autres. Hé, Kevin, laisse-la. C'est quand je vais la publier sur les réseaux sociaux qu'elle va vite faire avec cette poupée-là. Et puis la vieille poupée qu'elle a achetée à ma fille, là, n'a plus d'habits. Hein. Donc, pour la petite histoire, Fali, depuis hier, nous autres, nous étions au courant que Fali n'allait pas prester. Mais on s'est dit, bon, on va jouer le jeu de la francophonie. On va seulement dire que les gens vont prester. Ton jouet de voiture est cassé. C'est pour ça que tu m'as interrompu. On va acheter un jouet de voiture demain, d'accord? Maman, allez, dis à l'enfant, on va acheter demain. On va acheter demain. Maximisons les likes, s'il vous plaît, Fabiana. Merci de m'exposer. Hein. Raconte tout, ne cache rien. Donc, je disais, depuis hier, donc, je disais, excusez-moi, il y a maman Alette et Melkani qui ont venu faire leur buzz ici, de 2 secondes. Donc, depuis hier, nous autres, nous étions au courant que Fali n'allait pas jouer. Mais on a voulu faire le jeu de la francophonie. C'est-à-dire, on a dit, oui, demain, il y aura, oui, venez les 6, et tout ça, il y aura concert, mais on savait déjà. Arrivé aujourd'hui, Fali officialise maintenant son information. Il annonce officiellement qu'il ne va pas jouer. Il a évoqué des raisons que nous vous avons lues tout à l'heure dans le live que j'ai fait avec Tonton Bev. OK? On vous a lu, je pense, les raisons qui ont poussé à l'artiste Fally Ipupa de ne plus prester. On est bien d'accord. Parmi les raisons qu'il a avancées, l'artiste Fally, il dit ceci. OK? Fally Ipupa dit ceci. Quand la jeunesse et le sport et les arts se retrouvent sur une même scène et témoignent de la solidarité francophone, cela donne les Jeux de la francophonie. J'ai été particulièrement honorée de prendre part à la cérémonie d'ouverture de ces 9e Jeux organisés dans mon pays, le Grand Congo. Malheureusement, des changements de dernière minute dans l'organisation de l'événement rendant ma. Enfin, ma. Excusez-moi, je disais. Malheureusement, des changements de dernière minute dans l'organisation de l'événement rendent ma participation impossible. Ma vision musicale m'emmène à décliner ma participation à la cérémonie de la clôture de cet événement. Donc, ma vision musicale m'emmène à décliner ma participation à la cérémonie de clôture de cet événement et à céder ma place afin de contribuer à la découverte ainsi qu'à la mise en lumière de ce que c'est la, de ce qu'est la diversité, ok, culturelle et artistique de mon pays. Hashtag Warrior, hashtag DRC, hashtag mon pays, etc. etc. Excusez-moi, j'ai failli lire comme Marc Maison. Heureusement que je me suis rattrapée. Donc, Fally Ipupa dit que le désordre et les changements brusques qu'il y a eu avec les organisateurs des Jeux de la francophonie ne cadrent pas avec sa vision de la musique. Alors, du coup, il ne pense pas pouvoir aller plus loin avec cette organisation. Il décide de se retirer, n'est-ce pas?
Et voilà. Mais il laisse quand même sa place à ce que ceux qui ont besoin de briller puissent briller, ceux qui ont besoin d'être sous l'effet de projecteur puissent être sous l'effet de projecteur. Mais lui, déjà, il était très content de participer au tout premier jour de l'inauguration des Jeux de la Francophonie et nanani et nanana. Donc, voilà. Alors, il a fait ce message et il l'a rendu public. Je pense que nous l'avons tous lu dans le live que j'avais fait avec Tonton Bev dans la journée. On en a parlé, on a débriefé, on a décortiqué. Moi, particulièrement, mon avis dans tout ça, c'est que je pense que parmi les bonnes décisions qui ont été prises jusqu'ici, il y a cette décision-là. Ferrego a fait un caprice, mais Fally Ipupa a proposé une solution pour la sécurité de tous et pour l'intérêt de tous. Pour l'intérêt de tous, dans la mesure où les organisateurs de la francophonie se permettent de ramener des gens qui n'étaient pas prévus et de les placer. Ça veut dire que certaines personnes ont besoin de lumière. OK? À travers ces Jeux de la francophonie, tout le monde a besoin d'être vu aussi et de participer. Comme lui, il a déjà participé. Bill Clinton aussi a participé une fois. Alors il s'est dit, bon, que je cède ma place. Puisqu'il faudrait créer des espaces pour certaines personnes, créer des programmes, ramener les gens, je cède ma place. OK? Comme ça, celui qui voudra chanter, celui qui voudra participer, peut venir prendre ma place sans problème. En tout cas, je ne fais pas d'histoire derrière. Maximisons les likes, s'il vous plaît, partageons le lien. Alors, c'est ce qu'il a fait. C'est l'une des décisions les plus louables parce que après, il faudrait aussi piller la lumière sur tout le monde pratiquement. Mais n'oublions pas que lorsque les organisateurs prévoyaient préparer les Jeux de la francophonie, ils étaient tous conscients du fait qu'il y a beaucoup d'artistes en République démocratique du Congo. Ils pouvaient placer chaque artiste à l'endroit que ces artistes méritaient. Donc, mettre Fally à l'inauguration et à la clôture, c'était un choix très stratégique parce que on connaît la popularité de l'artiste Fally Ipupa, on sait qui il est, ce qu'il vaut, ce qu'il représente dans la musique internationale en ce moment. C'est pas n'importe qui. Donc, c'était leur comment on appelle? C'était leur comment on appelle ça? Leur joker, ok? Fally, c'était leur joker au fait. Ils ne l'ont pas placé par hasard. Et d'ailleurs, dès l'introduction, c'était les organisateurs des Jeux de la francophonie à l'international, sont eux qui ont imposé, n'est-ce pas, la présence de Fally. Mais arrivé lors de la cérémonie qui est censée être organisée par l'État congolais, la nuit de la francophonie, ça, là, ça devient un peu désordonné et tout et tout. L'artiste Ferrego, là, qui s'était retiré pour des raisons qui n'ont ni tête ni queue, mais que lui, il appelle des raisons personnelles, décide de débarquer comme si de rien n'était, comme un cheveu dans la soupe. Il revient pour la simple et bonne raison qu'il n'avait aucune idée de ce que c'est que la francophonie, probablement. Il a décidé de se retirer sur un coup de tête parce que ses fans lui ont foutu la pression en lui, faisant croire que si il ne jouait pas le premier jour, c'est qu'il n'était pas respecté, il n'était pas considéré, que le respect s'imposait. Et pour ça, il devait faire un bras de fer avec le gouvernement, faire un chantage, une manipulation, afin de permettre à ce que les organisateurs puissent céder à ses caprices et lui trouver la place qui lui mettra au même niveau que l'artiste Fally Ipupa. Et c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à manipuler toute une organisation et certaines personnes ont décidé de fléchir. Que Sphère Ego se retire n'est pas le problème. Mais que l'on choisisse un endroit stratégique selon l'ego et les caprices de Sphère Ego, ça c'est le problème. Parce que Sphère Ego, quand il décide de se retirer, sa date était le 4. Mais revient le 4. Pendant ce temps, ils avaient déjà sélectionné d'autres personnes pour cette date-là. Ils ont pris, je pense, Fabregas et je ne sais plus qui, je pense Weyerson. Alors, quand lui, il revient, on lui demande qu'est-ce que tu veux parce que toutes les places sont prises. Oh, laissez-moi jouer le 6. Mais on ne sait pas te laisser jouer le 6 parce qu'il a fallu, pour parler du peuple, on a même rajouté Moïse Mbille, qui n'était pas prévu au départ pour le palais du peuple. Férégola qui dit, oh, n'importe où, même au stade, même 5 minutes seulement, laissez-moi prester. Rappelez-vous que nous vous avons informé que Férégola était en train de mendier, ne serait-ce que 2 minutes à l'inauguration. Qu'on le voie même seulement 2 minutes, 2 petites minutes. OK? Mais ce n'était pas possible. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. C'était les organisateurs, ceux qui sont dans l'équipe de l'organisation de la francophonie, qui l'ont annoncé que l'artiste Ferrego est venu vers nous demander ne serait-ce que quelques petites minutes pour le jour de l'inauguration. Mais ce n'est pas possible.
On attend qu'il puisse se retirer officiellement. Parce que quand Férégo l'avait annoncé qu'il se retirait, il l'avait fait sur les réseaux sociaux et non adressé directement aux organisateurs des Jeux de la Francophonie. Donc, quand Férégo la revient, il dit, n'est-ce pas, aux organisateurs que s'il pouvait même lui donner ne serait-ce que 5 minutes le jour de la clôture au Stade des Martyrs, comme ça, il va apprécier et tout et tout. Donc, Férégo là se dit qu'il a besoin aussi de la lumière dont Fally avait bénéficié. Parce que quand il a décidé de quitter sur un coup de tête, il ne réalisait pas seulement que la francophonie allait avoir, c'était à ce niveau-là, mais surtout, c'est qu'il veut avoir la même considération et le même regard sur lui que Fally a eu le jour de l'inauguration. Or, il peut être là, il peut chanter, il peut prester. C'est Férégo là, on va l'applaudir. Mais il n'aura pas le même regard que l'artiste Fally Ipupa parce qu'ils ne valent pas la même chose. Fally, c'est un autre niveau. Lui, c'est un autre niveau. OK? Mais lui, il voulait ça. Il voulait ça et il voulait ça. Et on le lui a donné. Je pense que j'ai ramené avec Tonton Beb, bien sûr, tout à l'heure, les inconvénients de ce choix. L'irresponsabilité qu'il y a eu auprès des organisateurs, également de Férégo là. Les responsabilités sont partagées parce que les organisateurs se permettent d'accorder à Férégo là de réaliser son plus grand rêve, qui est de se confronter à Fally Ipupa. Rappelez-vous que musicalement parlant, les deux sont comparés. Mais dans la tête de Férégo là, au lieu de faire sa guerre avec le clan Wenge, c'est-à-dire comme nous on faisait à l'époque, Wera Jibé, OK, et qu'il le fasse peut-être même avec Héritier, lui, il veut faire ça absolument avec Fally. Or, Fally, il est du clan Quartier Latin. Mais maintenant, dans la vision de Férégo, là, c'est Wera Fally et tout. Alors, il voulait à tout prix qu'il y ait cette confrontation-là. Parce qu'il rêve de ça toute sa vie. Le risque dans cette histoire, c'est que Férégo, là, se permet de faire le discours en disant, ton l'accent que l'équipe à mon ébélé. Or, que Férégo la puisse jouer le même jour que Fally, c'est la plus grosse stupidité qui puisse exister. Aucune personne sérieuse ne peut permettre cela. Parce que quand les fans de Féré vont venir pour remplir pour Féré et les fans de Fally vont venir, ils vont se confronter d'une manière ou d'une autre. Ils vont se confronter parce que les jours des concerts de Fally, on ne va pas dire que les Gaulois ne sont pas venus. Mais les Gaulois qui sont venus n'ont pas dépassé un certain nombre au point de faire un désordre au milieu des Warriors. Le jour du concert de Ferry, les Warriors sont venus, mais ce n'était pas en grand nombre au point de déstabiliser. Mais si on veut tenir compte du nombre de personnes qu'il y avait lors du concert de Ferry Gaulois, on tient compte du nombre de personnes qui étaient le jour du concert de Fally. Si eux tous doivent venir et arriver tout pour avoir les bonnes places afin de soutenir leurs artistes, faire plein parce que Ferré va jouer, faire plein parce que Fally va jouer. Quand ils vont se retrouver à l'extérieur, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. C'est mettre la population en insécurité. Et si ce pays qui a refusé de donner à CeeLo Scrum l'espace de IMCA pour jouer parce que le jour Fally joue, ça allait être une insécurité totale, se permettre de donner à Férégo là, n'est-ce pas? De se permettre de donner à Férégo là l'espace de jouer au Stade des Martyrs le même jour que Fally Ipupa, pendant que le Stade des Martyrs et le Palais du Peuple, c'est à peine 2 minutes de marche, à pied d'ailleurs. Alors, j'appelle ça de l'irresponsabilité. Et là, c'est exposé terriblement, OK? C'est exposé terriblement, n'est-ce pas, la population à un grand danger. Parce que les fans peuvent se retrouver finalement, ils auront l'opportunité de se battre, ils auront l'opportunité de faire ci, ils auront l'opportunité de faire ça. Donc, je pense qu'on a évoqué toutes ces mesures sécuritaires qui se trouve être vraiment très dangereuse et que Fally décide de se retirer, même si lui, il dit que c'est pour laisser la lumière à d'autres personnes, que lui, sa vision de la musique, ce n'est pas ce genre de choses, parce que la vision de Fally, justement, ce n'est pas de faire des bras de fer, de faire des conflits, de faire des polémiques. Lui, il fait pas sa musique pour ça. Lui, il fait sa musique pour lui. Il ne se confronte à personne. Il est en conflit avec personne. Il est en guerre avec personne. Il n'a pas de rival. Entre lui et les personnes qui se comparent à lui, il y a un très grand écart. En termes de chiffres,
en termes de calendrier, en termes de tout. Alors, il ne se voit pas se mettre dans des tiraillements et exposer ses fans à un tel danger. Et pendant ce temps, il y a les coulounes, il y a ceci, il y a cela, il y a l'insécurité. Et dans tout ça, il y a un artiste gospel comme Moïse Mbiye, qui a déjà rempli le Shark Club, qui a un très grand public. Ces trois artistes vont donner beaucoup de visibilité à la francophonie, mais qui pense à la sécurité de la population? C'était ça l'inquiétude. Et il fallait que la seule personne, au moins qu'une personne consciente dans tout ça, puisse, n'est-ce pas, prendre la bonne décision. Et la bonne décision a été prise par qui? Par Fally Ipupa. La décision était de se retirer des Jeux de la francophonie, de ne plus participer parce que déjà, il voulait que la lumière puisse être sur tout le monde. Mais surtout, moi, je vois ça plus pour des raisons sécuritaires. Il a pris la bonne décision. Ça, c'est moi qui le dis. Parce que le désordre qu'il allait avoir sur le boulevard Triomphal, personne n'allait gérer ça. Alors, si les fans de Ferré vont se frotter à d'autres personnes, ça va être les fidèles de Cité Bethel, de Moïse Mbiye ou je ne sais pas moi qui. Alors, pendant que nous nous sommes arrêtés dans ça, on apprend une première nouvelle. Nous apprenons ceci. Suivez très bien. Suivez très, très bien. Pendant que nous nous sommes sur ce terrain-là, nous apprenons que vous pouvez imaginer. D'abord, c'était ça le visuel qui a été relayé sur les réseaux sociaux des Jeux de la francophonie. OK? Ce visuel où on voyait qu'entre le 3 et le 6 août 2023, il y aura des événements, OK? Il y a Gims, il y a Djibé, il y a Fally, il y a Momo, Pasteur Moïse, il y a Fabregas, il y a Werason, il y a Eriti Watanabe. Ça, c'était le visuel officiel pour la clôture des Jeux de la francophonie. Donc, il n'y a pas Ferrego là sur ce visuel. Ce qui prouve que Ferrego là est un ajout. Parce qu'il n'avait jamais été prévu. Fally n'a pas fait de problème qu'on puisse rajouter le pasteur Moïse parce que de toute façon, bon après c'est la musique gospel. Mais seulement Fally était prévu pour 18h. Mais vous le ramenez à 19h pour que le pasteur Moïse puisse faire son concert à 18h, sachant que personne ne va respecter l'heure. Et c'est vrai que c'est les nuits de la francophonie, mais il y a ces personnes qui ne voudront pas forcément passer nuit là, qui voudront rentrer. Donc il y a déjà ce désordre-là. OK, ça, c'était le visuel officiel. Donc, Ferrego n'était vraiment pas prévu. C'est un ajout de dernière minute. Et d'ailleurs, on a vu quand est-ce qu'il a signé son contrat, pas plus tard que hier. Donc, il n'était vraiment pas prévu. À part ce visuel-là, nous apprenons que Gali Garvey et Guez Mawete vont faire partie des Jeux de la francophonie, de la finale, de la clôture pendant les nuits de la francophonie qu'ils vont prester. OK? À notre plus grand étonnement, Guez Mawete et Gali Garvey n'ont jamais été contactés. Guez Mawete et Gali Garvey n'ont jamais été contactés officiellement par les organisateurs des Jeux de la francophonie. Ils n'ont jamais été contactés par les organisateurs des Jeux de la francophonie. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit parce que Gali Garvey a son concert le 4 août. Guez Mawete prépare son concert de terrain GD à Lemba. Ils n'ont jamais été contactés. Ils sont surpris d'apprendre sur les réseaux sociaux qu'ils sont, n'est-ce pas, prévus pour les nuits de la francophonie. Vous pouvez imaginer ce genre de désordre. Et qui utilise leur nom? C'est les organisateurs des Jeux de la francophonie dans leur visuel officiel. Est-ce qu'on peut faire ça? Excusez. Est-ce qu'on peut faire ça? Ils ne peuvent pas utiliser le nom des gens qui ne sont pas prévus. Pendant que ces gens-là ont des programmes, ils sont en train de faire la promotion, la communication de leurs événements. Vous, vous balancez qui sont prévus pour les Jeux de la francophonie. Ça, c'est délocaliser carrément ou encore mais troubler leurs fans. OK? Leurs fans vont commencer à se demander, mais finalement, on part à la francophonie ou on part là où il y a notre concert. Gali Garvey a dû démentir l'information sur ses réseaux sociaux. Ce 4 août, Baye National, Baye National ou encore Baye ou Baye National, en tout cas, n'a qu'un seul concert. Une seule prestation à Showbuzz à 18h30, paix sur vous. Donc, il s'est senti obligé de venir démentir l'information sur ses réseaux sociaux. C'est quoi ce désordre?
C'est quoi ce désordre? Un désordre monumental, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le désordre n'est pas seulement au niveau de Fally Ferré, mais le désordre est à tous les niveaux. Parce qu'il y a des artistes que nous apprenons sur le chemin. Werrason n'était pas prévu à la base. Fabregas n'était pas prévu à la base. Il y a des personnes qui ont été rajoutées sur le chemin. Vous savez que vous allez organiser les Jeux de la Francophonie. Pourquoi n'avoir pas booké avec tous ces artistes-là, plutôt? Si, par exemple, ces personnes que vous contactez maintenant avaient leur programme, avaient leur calendrier, vous ne voyez pas que vous allez leur perturber. On n'a pas fini la soirée que nous avons tous cette information-là. On n'a pas fini la soirée, hein, que nous avons tous cette information-là. Voilà. Regardez-moi cette information. Et qui a annoncé l'information? Qui annonce la nouvelle? Monsieur Isidore Kouanja Ngembo. Le monsieur qui a fait signer à Ferregola le contrat à la dernière minute. Le monsieur qui a fait faire la vidéo à Ferregola, disons qu'on t'a pris pour sensibiliser tout le monde. OK? Il passe le communiqué et dit ceci. Communiqué. Clôture des Jeux de la Francophonie. Initialement prévue au stade des Martyrs de la Pentecôte, la cérémonie solennelle de clôture des 9e Jeux de la Francophonie, couplée à la soirée de clôture, enfin, couplée à la soirée des lauréats, excusez, sera organisée au grand chapiteau du Palais du Peuple le dimanche 6 août 2023. Les activités culturelles et productions musicales y afférentes sont maintenues et seront organisées à l'esplanade du Palais du Peuple dans le cadre des Nuits de la Francophonie. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. OK? Comment est-ce qu'on ne peut pas commencer quelque chose en République démocratique du Congo? On commence un truc bien et puis on finit bien la chose. Genre, on commence bien, mais on finit en toute beauté aussi. Est-ce que c'est impossible qu'on fasse bien les choses pour une fois? Monsieur Isidore, déjà qu'il y a l'affaire Fally pour pas faire égo là, qui n'a pas arrêté de bouleverser les gens ici. Et vous en arrivez là? Donc, si Fally Ipupa avait vu Ferregola revenir et puis faire, ah, d'accord, tokos, comme ça, yo, beta playback, nan, beta live, balo beso, totune, tokos. Donc, si Fally s'était dit ça, donc au-delà de l'imposer de jouer le même jour que Ferregola, vous allez aussi l'imposer de partager le même podium que tout le monde. Parce que c'était l'artiste annoncé pour la clôture et le seul. Il n'y avait pas un autre. Qu'est-ce qui vous a motivé pour ajouter tout le monde? On ne sait pas. C'est-à-dire, si déjà vous allez faire toutes les activités au même endroit, le calendrier sera surchargé. Les gens vont attendre en file indienne. C'est-à-dire, bon, ça, Moulongo, le roi Abanamikié, on dirait, bah, casting à concours, est-ce que tout le monde va même prester? Parce que s'il faudrait respecter le temps des activités que vous avez prévues initialement, s'il faudrait respecter le temps de prestation de tout un chacun, il y a des gens qui vont chanter à 3 h du matin. Donc, fallait faire et qui ne s'attendent pas à la base. Non seulement vous les avez prévus pour la même journée, mais au finish, c'était pour faire aussi le même podium. C'est quel type d'organisation ça? Et vous imposez ça aux gens. Donc, non seulement vous n'avez même pas respecté le contrat de Fally, heureusement qu'il a quitté le navire. Et Ferrego, là, qui ne rêvait que de ça, on a dit, bon, on te laisse cadeau. Vas-y, prends. Ferrego, là, qui estimait qu'on ne l'avait pas respecté parce qu'il n'a pas joué à l'inauguration.
Il choisit de revenir, il supplie pour qu'on lui donne la date du 6. On lui donne la date du 6. Voilà, il va se retrouver avec tout le monde sur un même podium. Basangisi va omipiku. Liboke. Pour aller prester. Comme si ils n'avaient pas d'autre endroit où aller. Les Jeux de la francophonie, oui, c'est une grande visibilité, on est d'accord. Mais Fally a déjà sa grande visibilité à l'international. Il a des grands contrats avec des grands labels et des grandes maisons de production. Le mec, il vous fait You Arena. Il vous a fait Accor Hotel Arena. Il va vous faire Wembley. Il va vous faire sauter au Voix Arena, ce qui n'y. Il a concert en France, en Belgique et dans ce pays anglophone-là. Il a déjà toute la lumière sur lui. Mais il est venu, il a fait naître la francophonie. On ne va pas dire que ça n'a pas rajouté encore de la visibilité sur lui. Ça a encore rajouté de la lumière dans la lumière qu'il avait. Ça fait soleil, si vous voulez. Donc, c'est dans ce désordre que Ferrego la voulait à tout prix revenir. Juste parce qu'on veut faire comme Fally, parce qu'on veut affronter Fally à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière, on accepte tout et n'importe quoi. Voilà que tu te retrouves dans un truc où Fally n'est pas. Heureusement que Fally s'est retiré tôt. Moi, je voulais me dire, bon, la communauté, qu'est-ce qu'ils vont dire? Certains vont penser qu'il s'est retiré parce qu'il a fui. Pourtant, il se retire pour des raisons très valables. Ce n'est pas le respecter. Mais aujourd'hui, mais en tout cas, plus que jamais, il a pris la meilleure décision de toute sa carrière. Il n'aurait pas pris meilleure décision que ça. Maintenant, là, je pense que même s'il restait même 2 secondes encore dans cette aventure, ça allait être. Mais bordelique! C'est quoi ce désordre de dernière minute? Maintenant, avec ça, fallait aller se retrouver au Palais du Peuple, faire au Palais du Peuple, Moïse dit au Palais du Peuple. À quoi allait ressembler le boulevard du 30 juin? Les gens n'allaient pas passer. Vous allez boucler cet environnement-là. Est-ce qu'on ne peut pas commencer un truc en République démocratique du Congo? On commence un truc bien et puis on finit bien. C'est quoi ce niveau de manque de professionnalisme jusque-là? Comment les étrangers nous voient au fait? Maximisons les likes, s'il vous plaît, pour stabiliser le live. Vous savez qu'on like beaucoup, beaucoup, beaucoup pour stabiliser le direct. On like, on like, on like, on like, on fait les super chats, on like, on partage des liens. Fally a pris la décision la plus réfléchie. C'est pour ça que je dis, il est le seul conscient dans cette histoire. Il est le seul réfléchi dans cette histoire. Comme l'a dit tonton Bev, le roi Salomon, il a vu plus loin. Deux femmes en train de se disputer un bébé. L'une dit, c'est ma date, c'est ma date, c'est ma date. L'autre dit, c'est ma date. J'ai signé, j'ai un papier pour ça, j'ai un contrat, j'ai été contacté des mois en avance. L'autre dit, oh, c'est ma date aussi, parce qu'on m'avait promis, parce qu'on m'avait promis. Le roi Salomon, Fally Ipupa qui dit, dans ce cas-là, garde. L'autre qui dit, de toute façon, on peut partager cette date-là, ça fait quoi? Donnez-moi même 5 minutes. Voilà dans quoi on est. Quelqu'un qui ne connaît même pas la valeur de cette date-là de la clôture. Les Fally et les Bill Clinton t'ont dit, on a répété, on a préparé, ça se prépare. Quelqu'un qui dit même 5 minutes. Il était en train de ricaner. Voilà, on vous a tout donné. Mieux, on vous a rajouté même le palais du peuple. Vous voyez? Pendant ce temps, il y a de cela quelques minutes, allez sur les réseaux sociaux de Ferrego là. Ferrego, là, il y a de cela quelques heures. OK? Il y a de cela quelques heures, Ferrego là, a posté rendez-vous au Stade des Martyrs pour la clôture des Jeux de la Francophonie. Maintenant, si on délocalise les activités pour le Palais du Peuple, pendant que les prestations et tout ce qui devait se faire au Palais du Peuple c'est déjà aligné comme ça, professionnellement parlant, est-ce que Ferrego va encore jouer? Est-ce que Ferrego aura encore des minutes, même les 5 minutes qu'il a demandées là? Est-ce qu'il aura encore de l'espace? Est-ce qu'Azé Sou n'a place, même il y a 5 minutes où on a Sengaki? Est-ce qu'il en a encore? Est-ce qu'il pourra encore jouer? Est-ce que le programme ne sera pas
Je ne sais pas. L'organisation ne va pas encore se mélanger à la dernière minute. On connaît les choses au Congo. Comment est-ce que les choses commencent en retard et puis ça fait ci et puis ça fait ça? Je serai le pasteur Moïse Mbi et je vais même me retirer aussi pour laisser de la lumière à d'autres personnes. C'est pas possible un tel désordre. Et avec ça, on a des Gali Garveil et des Guèze Maouété qui se retrouvent dans une organisation où ils n'ont même pas été contactés. On utilise leur nom dans les visuels. Mais on comprend pourquoi est-ce que Férégo a été convaincu qu'il allait jouer à l'inauguration. Parce que certainement quelqu'un lui avait fait la promesse. Et Férégo qui ne comprend pas que ce n'est pas respectueux qu'on vous mélange de n'importe quelle manière, qu'on vous remet dans tout et dans n'importe quoi. Maintenant, si tous ces artistes-là étaient restés, je me pose une question, à quoi allait ressembler le palais du peuple? Ça allait être inondé? Vous avez l'intention de... En fait, c'est quoi? À quoi ça allait ressembler le palais du peuple? Même une poubelle est mieux. Un programme désordre. C'est-à-dire, on a bien commencé, on ne peut pas finir en beauté. Fallait seulement absolument que Férégo la revienne. Fallait seulement absolument lui donner même 2 minutes pour qu'il puisse briller. Pour qu'il puisse briller. Parce qu'il n'arrive pas à se créer des productions où il va briller. Fallait qu'il vienne briller seulement là, au jeu de la francophonie. Mais après ça, il faudrait qu'il sorte un calendrier. Ses équipes ont annoncé chez un mamie, il est là, qu'ils vont faire You Arena. On attend le calendrier. Mais un calendrier qui te vend à l'échelle internationale. Parce que si c'est pour mendier 5 minutes au jeu de la francophonie, le top de chez top. Mais moi, je suis choquée. Donc, vraiment, Fally a eu une vision d'aigle. Il a vu très loin. Non seulement il a épargné ses fans, il a épargné la population congolaise, il a pensé à la sécurité de tout le monde en se retirant, il a pensé à la carrière des autres, ceux qui ont besoin aussi de visibilité, de lumière. Il a eu une vision d'aigle. Et voilà, il a même évité le pire. Ce méli-mélo, Bossanganyo, ce lycée Bossangani qui allait se faire, ce mélange à la noix, c'est-à-dire faire et monte sur scène, il prend les micros, avant Fally aussi, qui allait chanter avant Ferré ou Fally? Qui allait commencer, qui allait clôturer? Vous êtes sûr que vous allez pouvoir gérer ça? Fallait faire au palais du peuple. Le palais du peuple est petit. Hein. S'ils ne peuvent même pas se partager le stade des martyrs, ce n'est pas le palais du peuple qu'ils allaient se partager. Hein. C'est quoi ça? Pourquoi vous avez fait ça à l'organisation d'un si grand événement? D'un événement historique de cette manière-là. Peut-être même demain, les enfants de la 6e des humanités, on va leur poser la question, que vous rappelle la date du 28 juillet 2023? Hier, quand vous étiez en train de parler, moi, je savais que Fally n'allait pas jouer. Je savais déjà que Fally n'allait pas jouer. Avant même de commencer mon live, j'avais déjà toutes les informations sur la journée d'aujourd'hui. T'inquiète pas. C'est quel niveau de désorganisation ça? C'est quel niveau de désordre ça? C'est quel niveau de bassesse ça? Vous avez fait les artistes se sont déchirés ici, hein? Vous avez fait les artistes se sont déchirés ici, hein? Faire Hakimi fait ses caprices Bozong ici, hein? Allez les Libino, c'est pour en arriver là. Allez, fallait aller se mélanger à ça. Heureusement qu'il est parti plus tôt. On attend de voir à quoi ça va ressembler. Les avantages de cette décision, c'est qu'il n'aura pas à se frotter à n'importe quoi et à n'importe quelle bêtise. Comme ça, quand les scandales viendront, ça sera entre vous, hein. Quand les problèmes viendront, ça sera entre vous.
Le palais du peuple petit, fait égo là qui dit bon, là, ça va, bah, l'équipe, on est belé. J'espère que vous allez mesurer la sécurité. Quand les gens du pasteur Moïse viendront, les gens de fer viendront, je ne sais pas qui d'autre vient, et même ceux qui viendront soutenir toutes ces personnes qui sont venues pour participer aux Jeux de la francophonie, là. Non, mais s'il fallait que je puisse garder la rumeur, il fallait bien que je puisse dire que vous puissiez aller au stade, soyez au palais du peuple. Je suis très déçue. Je suis très choquée. Je suis même dégoûtée de ce genre d'organisation. Vous ne donnez même pas envie. On craint le pire. Faire et devait jouer au stade des martyrs, mais plus rien ne se fera là-bas. Tout est délocalisé pour le palais du peuple. Tout est délocalisé pour le palais du peuple. Maintenant, c'est à lui de voir avec les organisateurs s'il aura toujours ses 5 minutes. Parce que si tout va se faire au palais du peuple, il y a des artistes qui ont été prévus pour le palais du peuple. Il y a déjà des artistes qui ont été prévus pour le palais du peuple. Est-ce que ça sera toujours des lives? Excusez, ou pour gagner le temps, ils vont faire des playbacks? On ne sait pas. Toi aussi, hein, Divine. On dit que les activités... Il y avait des activités qui étaient prévues au SDEM. Il y avait des choses qui étaient prévues là-bas. Il y avait des choses qui étaient prévues là-bas au SDEM. Ils ont précisé ça, non, dans le texte, Divine. Toi, tu n'as pas lu ou quoi? Mais va lire le texte. Le français qui est écrit là, ça dit quoi? Tu n'as pas lu? MKDA, tu n'as pas lu? Ils ont dit ceci. Les activités culturelles et productions musicales y afférentes sont maintenues et seront organisées à l'esplanade du Palais du Peuple dans le cadre des Nuits de la Francophonie. Donc, toutes les activités qui ont été prévues ont été délocalisées pour le Palais du Peuple. Également, toutes les activités culturelles, musique, etc., etc., vont aller de l'autre côté. Vont aller de l'autre côté. Donc, c'est ça. Tu peux m'appeler comment je suis en live? Oui, j'ai commencé le live. Ah, j'espère que Ferrego va jouer au stade. En tout cas, s'il va jouer au stade, j'espère qu'il va jouer au stade. Mais la manière dont la majorité des programmes ont été délocalisés pour le Palais du Peuple, là. En tout cas, une chose est sûre que la majorité des activités vont se faire au Palais du Peuple. Même la prestation de Ferry, là. Attendez, vous allez voir. Au stade des Martyrs, il n'y aura pratiquement plus rien. Je prends les appels maintenant. Non, je prends les appels. Tu peux appeler, non? J'ai ouvert le téléphone, je prends les appels. Si tu veux appeler, tu peux appeler. Donc, ceux qui pensent que Fally a fui, eh bien, Fally n'a rien fui. Au contraire, il a évité de se frotter à n'importe quelle bêtise et il a sécurisé ses fans, tout simplement. La décision que les autorités étaient censées prendre. Allô? Bonsoir, Nyangui. Bonsoir, bonsoir, maman. Il peut vite faire. Ton Zimi qui est fait ça, Aigle, Zalara, Aigle. Donc, merci, vous voyez. C'est comme Mouna qui déjà vous dit ça. En fait, j'allais juste expliquer que hier, il y a même une fille là qui s'appelle Devine ou Devine. Là, elle est souvent influenceuse, elle publie des trucs. Elle avait fait les screenshots du site web de la francophonie. Sur le site web de la francophonie, ils avaient des
déjà dit que la cérémonie de clôture devait être au palais du peuple. L'activité de Ferré a été créée. Tu sais pourquoi il fallait renoncer? Parce qu'il n'y avait aucune activité culturelle au SDM. Parce qu'après le match de football qu'il y avait au SDM, tout le monde allait marcher pour aller au palais du peuple. Du peuple, oui, c'est ça. On allait remettre des médailles aux gens. Mmh. Maintenant, eux, ils ont créé une prestation à Ferré au SDM. C'est pour ça que ça a porté la pagaille que tu as vue là. Maintenant, ce qu'ils ont vu aujourd'hui, c'est juste la politique initialement prévue. C'est faux. Sur leur site, si tu vas, depuis longtemps, je peux t'envoyer les captures, la fille l'avait publié depuis hier. C'était déjà écrit depuis qu'ils ont créé le site web de la francophonie. C'était prévu que tout va se clôturer au palais du peuple. C'est pour ça que le seul artiste qui devait prester à la nuit, c'était Fadi Ipupa. C'est pour ça qu'il a renoncé à tout ça, parce qu'il y a eu tellement de désordres. Il y a eu l'activité de faire écrire, il y a eu des Moïse Mbi rajoutés dans la liste. C'est ça le problème. Maintenant, c'est juste ça que j'avais. Maintenant, l'activité de faire est là qui a été créée. L'activité de faire est là qui a été créée. Il se peut qu'il ne fasse plus ça au stade. Parce que d'après le programme qui est prévu, il se peut qu'il fasse ça maintenant. Maintenant, ils ont dit que la musique, tout doit se faire au palais du peuple. Ils ne savent plus faire les trucs au stade. C'est ça le problème maintenant. Son activité là, il se peut qu'il le fasse au palais du peuple. Au stade, ça sera plus faisable. Les choses sont devenues vraiment succès au stade là-bas. C'est serré. Maintenant, si donc, le fait au palais du peuple, ça veut dire qu'on l'a remplacé à Fali. Parce que je ne vois pas où est-ce qu'on va le placer. Les Moïse Mbi et tout, ils ont leur programme. Donc, il va jouer peut-être à la place de Fali. Bon, peut-être bien. On ne sait pas. Ou au pire, comme ils ont vu que Fali s'est retiré, ben, pour remettre aux gens qui sont en train d'être perdus, ils ont fait cette annonce-là. Mais sinon, sur leur site, c'était bien spécifié que la clôture devait être au palais du peuple. Et la seule activité culturelle, c'était le concert de Fali. Mais ils avaient prévu quelques remises là-bas au stade. Dans les minutes où Ferré devait prester. Ils ont délocalisé ça pour les palais. Ils ont dit qu'ils ne feront plus là-bas, ça va au palais du peuple. C'est ça. Donc, c'est à faire et son activité n'a jamais existé. Une coopération. Donc c'était ça, c'est moi ma chérie, je continue à suivre. Merci beaucoup. Et puis de toute façon, il fait la pub pour son événement créé là. Maintenant, tellement les organisations sont compliquées, si jamais ils oublient Ferré. Parce que si tu n'étais pas prévu dans un programme, on peut t'oublier. Maintenant, si l'organisation oublie Ferré, comment il va faire? On continue avec les appels. Ceux qui n'ont pas appelé la journée, vous pouvez appeler maintenant. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonsoir, Bello. Bonsoir. Demain, Lobby n'a qui nous ont quitté. Toujours. Là, déjà calme. Là, les amis, on a calme. Donc, faire le bassin, c'est comme au moins, nous avons une petite fille, on a un dame. Sera à Simbi téléphone aux ambes au bout de la téléphone au centre pour caresser non au lequel le roman au boyau au pessay pour barrer. Moi j'avais compris que Ferré belgué en cabacali normalement au tas la histoire en haut des alakis jamais ma petite Ferré a déjà jour mon corps n'a fallu et puis Ferré la publication la nuit et à Zoloba. Aux autres sentiers que R ils a dit. Yo sur mon arbre, vous oubliez que ça va tout, que c'est pas pour R. Tu vois? C'est ça. Donc, c'est comme si elle est au moment. Donc, son annonce, il n'a pas d'heure, hein, n'a heurté. N'annonce, n'est-ce pas, on s'en heurté. Voilà. Donc, c'est comme si le on a fait un beau yaka déjà. N'est-ce pas, ça l'a réussi, on a le mousseau. N'a pas été pour 5 ans pour déranger le téléphone, tout ça. Balouquer avant qu'on ait pas calmé. Pour qu'on t'a la carte histoire ou bien sur la nuit, peut bien, on comprend que Bazaï la maman sur n'a été, dans ma démarche n'a été, mais elle va calmer, car la situation est montée pilatée. Au moins, ma bête a fait à combien de kilomètres, sur combien de mètres, n'a fallu, et qu'on s'en a maté, aux hommes. Donc, il y a un programme qui est changé et qui est sale. Donc, il y a besoin qui puisse la solution. Là, il faut que tu vois.
Merci beaucoup, maman. Voilà, on continue avec les appels. Ouf. Allô, bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Allô, demain. Oui, bonsoir. Allô, demain. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Nazo Yokana. Toyoko bien. Allô, demain. Tozo Yoka, yo, eh. Allô. Eh. Maman, Toyoka, yo. Tozo Yoka, yo. Allô. Allô, bonsoir, demain. Maman, toza koyoko bien, toza koyoko très bien. Yang boti ka koyoko abiso na ba TV, boyo ka abiso à partir à téléphone. Allô, bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, demain, comment ça va? Très bien. Ok, na, na Instagram, bien fait, na bini choyo. Alongoli programme, alongoli makambo ya uteko na lwa no sena journée. Tika. Alongolia. Tika bon papa. Ya solo. Donc c'est-à-dire que programme aussi ko ba pour ce qui moto papa ou abimi si ko yo. Ya ko délocaliser ma kamunio saison il a parlé du peuple. Hier a nous qui batne qui ba ya na stade des martyrs. Donc est troublé na minute ya zo comprendre si ko papa. Bazo ya zo ba sur les gamazo salade. A sale programme na moi. Non, mais vidéo na ezali non. A sala publication na moi. Na moi a sala publication. On a fermeture. Ngana mona ke on enfin j'ai pas fait attention. Si on a minute yo, bata francophonie ba bimisi programme ke makamutu e komi délocaliser na palais du peuple. Binito kende na Instagram na alongoli ngonga longoli programme wana ya Saturday matin. Benazo linga no se bango lupi ke no baya na pale di pepe to sande. Pasara na. C'est triste hein. Ah bon? Il a passé mieux. Alongoli yango, ok. Merci à tout cas. Merci beaucoup. Oui. Mais vous autres, Telengana, Mobutu na Chine balala raté. Namboka ngo ya za balala raté. Ha. Allô, bonsoir. Bonsoir, Demé. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, MM. Marlène Massia, la fille amoureuse. Bienvenue. Bonsoir, papa, on vous écoute. Vraiment, à PC, depuis le matin, on a eu la live, des fois, la compte la Bible en sous Bolobara, mais aujourd'hui, je suis totalement converti que Bolobara est la vraie. Ah!
Déjà, des messages au monde. Bon, likez, bon, likez, s'il vous plaît, la famille. Je m'excuse de tout ce que je pense pour vous. Ah! Ah! Zambé, tout ça qui a dit, ni penza biso. Et puis ça est vraiment bon, moi je m'excuse de ce que je pense pour vous. Aujourd'hui, j'ai compris que vous êtes un peu différent de ce qui se faisait à la presse auparavant, en fait. Pour la moni façon, live, j'ai mis au salaire qui vers 16h là, j'avais pas eu le temps à Kokota parce que bah, il y a tellement belé. Il faut participer vraiment. Mais alors, nous comprenons que Aigle, Zara Aigle. Kende, s'il vous plaît, pardon vraiment. Sotali Steve Lwemba. Il y a une statine sur Instagram à l'obi. Des fois, il faut éviter Aigle, il faut éviter qu'on soulève le bloc comme on est lourd, quoi voler plus haut en fait. Ça veut dire que si on est lourd, on est lourd, si on est lourd, ou voler non plus haut. J'ai compris que Aigle a Aigle. Si à son nouvel bango bozo bosa kanabino mais on a qui est dans le colo makasi à quel colo makasi parce qu'il a d'autres calendriers qui sont plus lourds que ça. La solo là qui n'a un ami qui est gauloise assez pénible. Ah mon ito boto le bino date, ito boto le bino date. Maintenant là je l'appelle, il ne décroche même pas. La tinde les liens, information y a papa y a francophonie wana. En fait il y a les deux autres partout dans le Congo. Le banda qui bien TV5 est relié makambo tout ça il y a bien mais dans la fin de ba ngba ça kana pas ça le loco ba bibi c'est loco ba banda qui a bien t'as là vraiment fait la fin de ba ngba bibi c'est loco tout ça il y a bien ou bien qui va l'oublier après ce biso 10 ils disent na ouverture la chaîne de la francophonie en fait la fin une autre gars zéro car boy quand on a besoin d'un mot tina ou au cajolé ba en fait ba ba princesse nengi tonto ba benga bango bon au cas je vais ma princesse tu nous regardes zéro na mon zana na mutsina merci je voulais juste pour le baka bon merci vraiment de mère merci je m'excuse en fait on a passé la pensée pour la bino en tout cas merci beaucoup Miss Mongo VIP yo yebite ba Marlène na ba MKD ana ba mama Malienne ba Latinga lobia na ba mama Charlie na ba mama Kiss ongai il faut na ça à sport faut na bande okone ne za na zomi benda nyoso ne longi na libu ne na za allô bonsoir bienvenue merci beaucoup dem ngala ngina tout na kaka fere tangwa lobaka eloko ne ya boya tolakisa ke toleka bango ne ebele ebele yango ezalaka na mambu ya bozoba okoma po na nini oyo na YouTube na ye aza na pa meme na 1 million ya baabone epui eloko oyo esalemi ete ya ye fere beta miziki tika motema mabe efutaka te Ferre aza très dangereux. Aza na mouté ma mabe envers Fali. Or que, obé tana bino musique concurrence à la loi ya y ferre. Tika mouté ma mabe, musique ya mouté ma mabe, e fouta kate. Et puis na nga na yeba, e belan mo yo ferre ou lobaka. Obimi si live ya concert na yo, mais ti si ko, e kon pa même atana 100k. Sko e belan mo yo lobaka ke, Pour être là, c'est vraiment tout à la kebele. Vous avez quand même un bon coup de bousou, il y a un fin à bateau, et ça passe. Si quand mon thème m'a dit, oh, il y a confusion. Mon exemple, il y a confondre, yo. Musique, ma bête, on a mon thème m'a dit, t'es ferré. Si quand mon thème m'a dit, oh, zui. Merci, tes mères. En tout cas, bonsoir, ma longue, t'es, bonsoir, dingue. Coucou maman Charlie IESD. Miss Mongo, nandi mi pardon de roboba, libato ebele ba conception mambo ebele to sa di to ndima ka bolimbi. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Eh, na coach na passe demain na na rectifier ka pona ndeko mobali wana susu en nano. Ya lobia za ondi mabino te do tina ndenga tala rabino ya ndimane bino. Lelo ndandi mebino alanda rabino me
Conférence de presse sur la salle qui a eu 3 ministres, on a eu mal à l'aise, en tout cas, cholestérol, on a eu supposé remarquer. Donc, quand des gens ont été sicos, depuis date, on a eu l'eau. Donc, après, les six, on a eu l'eau, 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 on Ah, les photos changé sous ma loi na page na. A changé ma loi que non ben ça va on a parlé de peuple quand ça va robeta iné akita. Ben ça va anda kuma. Encore un musicaté. Balinga ba se prendre fali. Ba ma beta na marti, fali na parlé de peuple ngawa tika ya beta ti 21 heures. Et pour cet temps le fali ba ndareta koto comme ça ba tia moi bi. Et puis ba ba Moussen Zakindingu, Nakup, Nabamba, Batika, tout autour, il y a Stade Wana, Papa Botola, Bawario, Banin, Batoba, Lingana Bango, Serie, Baboton, ma téléphone, Banin, Banin. En tout cas, soit dans la ligne de Wamet, si quoi, cholestérol, les années en Europe, maintenant, et qui dit de même. Natique Bandem soit bien à Dropin, en Assepel, ma casse, grand des papa Lopin. Assepel. Merci beaucoup, maman. Allô. Bonsoir. Ouais, je voulais intervenir un peu par rapport à toute cette situation, donc à l'organisation et tout. Donc, dans un premier temps, il faut te retenir déjà qu'il y avait deux organisations. Il y avait l'organisation des Vivendis, qui dépendait du ministère de la Culture de la France, et l'organisation locale, qui a été chapeautée par l'autre, la Isidore, je ne sais pas quoi, là. Donc, organisation et à Vivendi, c'était déjà carré. C'est pour cela. Herbe Monifère, Assel, Caprice, Nae, Pobachaï, un jour ouverture, c'était pas possible. Parce que c'était pas des Congolais, au fait. C'était une agence française qui a déjà été. Qui avait déjà organisé toute la cérémonie, tout était carré. Donc, c'était pas possible. Et en gros. Ah ok, d'après, pour tu as pression d'organisation locale. Il y a un moment où il va trouver un stade des martyrs, alors que les programmes et tout a été déjà établi depuis longtemps. Donc Bato va consulter s'il y a francophonie hier, aujourd'hui, dans la journée, tout ça, ils ont vu que les programmes de la clôture de la cérémonie et tout, c'était prévu, il n'a pas allé des congrès carrément, il n'a pas allé des congrès, c'était même pas les slams, il n'a pas allé de congrès. Bah, remise à bah, médaille, il n'est ça après bah, officiel. Bah, palais des congrès, on est. Palais de congrès, mais... c'est la salle du Parlement, en fait. Ah oui, ok. Voilà, c'était prévu à l'intérieur. Donc peut-être, bah, tiens, on est ce qu'on esplanade parce que voilà, peut-être fallait y désister. Mais c'était à la base, c'était prévu au palais de congrès du palais du peuple, en fait. Mmh. Donc, okay. La stade des martyrs. Dans le stade des martyrs, il y avait que la finale de football. Donc, finale et bêta, ma pré-finale, bah, remettre la coupe, une équipe gagnante et tout, c'est tout. Donc, organisation, il faillit côté plus côté organisation locale. Mais côté Vivendi. Côté Vivendi, si vous voyez bien, bah, tout le monde a signé un contrat là-bas, on a Vivendi, ils n'ont eu aucun souci et aucun problème. Comme Bill Clinton, c'est déjà un habitué de la maison. Depuis 2012, à Sinatia, quand on a Vivendi. Fali, pareil, à Zanaka, à Cameroun, on avait Vivendi. Bayo Ozoé, sous pareil. En plus, Bayo Ozoé, la qualité à meilleur artiste francophone en 2022. Donc, je ne vois pas faire Bayo en qualité de quoi, parce que Bayo est déjà artiste local comme Bill Clinton, qui est déjà un membre qui faisait. Bayo qui est local, la meilleure voix. Meilleure, voilà. Bayo est fait les locaux à meilleure voix. Faire les bons ils ont pris Fali déjà comme étant congolais, mais plus au bout d'un affiche, na ligne francophonie, c'était marqué meilleur artiste francophone de l'année 2022.
Donc, au fait, en bref, Ferré, sans ça la carrière, ça la carrière, il y a Olukaku, c'est comparé à la falité au Koukou Maloua Fali, même si tout le monde a vous allez voir, dans ma voice, frère Néa Loua qui a rencontré, qui est Baïb Segui Ferré, pas dans la question, à vous, frère Néa, à Koukou Maloua la Fali. En tout cas, tu as le lobby. Wana penza na rozong sa ngo penza lobi. Iloko wana frère nae aloba ki nga nga ibise frère ke soa bubi a boko maloko la fali et non a koma star ne. Donc frère vous avez des buts nae c'est fali. Donc son objectif c'est fali. Donc moi précision na wana pesa moi je vais pas monopoliser la parole. Merci à Merci beaucoup. Merci bonne soirée. Merci pareillement. Priscille. Bonsoir, yo lobby, t'es yo posa d'accord na sa sport? Yo ma kaste, mingite, boli pou mon kaka, li pou mon kaka. Eh, nzambi nangay, na matame le tien. Eh, moi je te préfère comme tu es, ton visage là, la tatra, c'est bien. Bo kotize mbong a lipo. Boli, t'es yo bina sa adwa, coach a mon chic. Merci beaucoup, Brandy Banks. En tout cas. Hey, yes. Ma chérie, on t'écoute. Bon, on a dit que nous sommes tous les deux. Gims Pena, on a parlé du peuple de Gata. Allô? Oui, au lobby. On a dit que nous sommes tous les deux. Gims Pena, on a parlé du peuple de Gata. Gim Sango, orbite à le 5. Bon, orbite à Wapi, mais habitez peut-être à parler du peuple. C'est-à-dire que Sangani, Sali conglomérat, il y a mis Témamabé. Le karma. Il y a un Dieu pour les warriors, oh, il y a un Dieu pour les warriors, Seigneur, merci. Merci, le karma s'est chargé des méchants. Il y a un Dieu pour les warriors. Hey! Quand t'as la bordeaux, c'est la bamba qui est grande. Et pas mettre un nom à stade et puis pas mettre un sans playback. Nelly Kampnanga. Pour ce cas, Babé, tu n'as parlé du peuple, ma qu'il est l'année ici, la tête aussi, les sangs. Tu vois ce que je t'avais dit la journée? Les aigles ne convolent pas avec les cailles et les poussins. Ma cambo, y'a un gros bacaille, n'a pas poussin, n'a pas poule, t'as n'est pas sangani. Bon sangana, la base court, c'est bien. C'est bien, mais le bon sangana, ben, n'a pas dit tous les autres, y'a un les sept, tout bas, n'a live. Rendez-vous les 7. Le 7 est aux agitos comme à casse. Bébé Kadoum. T'as dit que je bébé Kadoum. Neuf saisons pour ma bébé. 47 ans. 47 ans, s'il vous plaît. Ma haute, c'est encore 5 minutes. Il entre temps Fali dans la Ramawelisa. Fali dans la Palineo à Sakanaba haut placé à Kangarabaninga. Mais tout ce qu'il a, tout ce dont il a accusé Fali, il n'y a pas de ça à la rôle. Naebisio. Oh, même. Oh, 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 Nanyo. Nini, comment on appelle ça? Francophonie à BAPD. Yepeka à Kunanakati. Hey. Hey. Bizarrement, à qui foutre à Kunanakati? À Kanisaka, on sent la deuxième martyre. Karma fait le bizelana la guitare. N'a prouvé yo. En tout cas, d'abord, bisous, bye maman. Bye maman. Allô? 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 Allô, bonsoir Nyangs. Bonsoir. Donc, tu es... Kozo mwenye songo mefote lo bata kwa mwamuke. Boni mama, kimeza? Kimeza makasi. Me kosa la nanu, bade nga mwenye na la franse, rejim, kosa la nanu rejim, te tuna nde papa, soki papa lo bi osano sani, ko landa bisote, landa nde papa. Ya Sylvie, bo ki babi na landa papa. Landa nde papa, ko landa bisote, papa ne mwte o deside, voilà. Mwoto na pengangi na mwone, msa kena wana sana bulo. Donner des sous ton boulot, Céline Yang, Sinaké, Jacques Daniel, Jacques Daniel, mais améliore avec modération. Mais, monsieur, ne vous comprendrez pas, parents, la bisou, on est au gang, la bisou, pour la tête, uniforme et bleu blanc.
Ah, là, je vais pour la Bible, on a dit tout ça, là, vraiment. Voilà, on a 5 heures. Zacharia a raison, parce que nous sommes en train de combattre la classe. Au jour d'aujourd'hui, à ta seconde, on a noté ce qu'on a dit, on 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 a tangi communiqué à Fali, il a couché les lacs, il faut aller, c'est vrai, le gars, il est aigle. Donc, cela veut dire, après ces corrections, même dans l'organisation, il y a francophonie, à l'Axibango, que vous avez affaire, pas à un loco, à un professionnel. Raison pour laquelle, non, presque, n'a pas été. Mais en tout cas, pour nous, c'est une fête. C'est pas parce que nous sommes des warriors, mais c'est un exemple pour la jeunesse. Ils ont exemple, Fali est un modèle, ils ont exemple pour la jeunesse, voilà. Donc le reste, au moins, demain, les cambo batou, bafinga ka toujours te bapede, bapede. Biso zara na mboka mombo na otanga mboka anate. Et une anecdote quoi? Jumo kwa zara kako finga batou, bino bapede, boye boye. Na jumo na tunia mime, pourquoi yo tandas pour toujours finga batou? Ok, namboka moko boy donc na Cambodge. Tu es qu'on découvre que au final c'est lui. Il y a une mutation à l'opération Anna. Donc il faut faire très oh, je te jure. Donc bon, faire très attention à bateau ma fin à cap bateau binomboy. Et ça pas. Non là, bah on monte bah on monte bah pratiquant. Dans ce biseau, je ne suis pas pratiquant. Si je suis un témoin de rendez-vous, je suis un témoin de Yakala, de Magali, de Zala. Restaurant de Bosan, de Kombo Salika. Et ça, c'est pour faire un pouvoir avant que je me marche avec vous. Je suis un cinquième niveau. Péda, vous avez un mot de question mark. Vous comprenez? On a tout le temps sur mon camion. Moi, j'appelle toujours aux warriors, aux jeunes, aux basotans. Il faut donc il faut tout bas qui s'assoit à Mayele. Avoir des teams, faire émission avec Dab, avec Nyang, avec Mombaya, avec Bev. Vous sentez l'intelligence? Donc, tout le temps, on a besoin de musique, on sent que tout ça a des chances. Comment accorder le participe? Avec le être et tout le parti. Mais le coup, on a mis le coup, on a matin. Donc, c'est un peu ça. Donc, discours, vraiment, ça me dit, maintenant, c'est un rendez-vous en novembre, quoi. Mais si, si. On comprend. Si, si. Donc, rendez-vous, cela veut dire quoi? On comprend que si on a un coquet, on peut se rendre. Si, si. Mais on a un peu de temps. Dimanche, madame, tu dis, tu as fait discommuniquer dimanche, tu as fait communiquer la bisou pour les autres, tu as le bel amoté. Bon, là, tu as fait communiquer. Non, tu as fait communiquer, mais il faut français. En tout cas. Mais voilà, c'est pénible. Pour ma vision, pour sa vision musicale. Les participants, ne kuna ne makambo. En tout cas, kuna sa makambo participants accordé avec l'auxiliaire à fois nion sur l'auxiliaire être ils en a quatre wana. Kuna sa te makambo te. En tout cas, merci ouais, beaucoup. On est là, on est ensemble. En tout cas, courage à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée, Papa Obi. Il y a une madame née. Bon, ce qu'on a balayé, c'est qu'il a fait décision fallait jouer. Communiquer. Bon, qu'il a fait communiquer. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir.
tous de suivre le message qu'il vient de lancer par rapport à notre frère. Moi, je vais l'appeler notre frère, notre artiste, Frère Hugo, là. Bon, d'abord, je vais d'abord faire une petite anecdote pour dire. La dernière fois, Fally s'est produit au Canada. On a traité de Fally, la diva, les capricieux, un truc pareil. Aujourd'hui, on s'étonne, hein. Maintenant, ça a changé, maintenant, des camps. C'est maintenant, monsieur Frère Hugo, là. Bon. C'est pas grave. Il fallait pour passer un artiste qui est professionnel d'abord. Il n'aurait pas dû dès le départ se mêler avec toutes ces bêtises qui se font là. Lui, il ne savait pas que ça allait arriver. Ça lui est tombé dessus. Oui. Comment il allait savoir? Oui. Oui, c'est ça qu'on dit. C'est ça que nous disons. Peut-être qu'Almi Loba qui ah, pour une fois, les Congolais avec les Blancs, on sera sérieux. Nzoka, tobe, batotik, ale, obe. C'est ça qu'on dit. Oui, maman, c'est ça qu'on dit. Il a compris que oui, j'avais signé mon contrat avant pour la fermeture, c'est devenu maintenant du paga du désordre. Qu'est-ce que je dois faire, me retirer? Maintenant, les personnes à qui voulaient maintenant chanter après lui, là, le faire et tout ce monde-là, ils sont maintenant, ils vont chanter auprès du peuple. Bon, ce n'est pas un premier qu'à chanter. Donc, allez. Maintenant, on doit maintenant comprendre que tous ces clics-là, des grands-là, qui se disent que des grands, baza, bouna, va combattre à battre. On pense que ceux qui vous avez touché, parce que vous avez touché à mon aîné, en tout cas, coup de chapeau à l'aigle. Il a fait un bon travail. Tous les Omone ke azumbo ke tanga ko ya ko yeba ki fali negociation na ya sala ki ki c'était bon a gagner bien ya comme jade a comme ko monter maquette ne azala makambo ya sali kaka na francophonie a sala ngo deja na Grenoble ba to ba vanda na Grenoble ba yebi deja fali se rumo ka beta na Grenoble a beti a kei a singi kashe na yepe a singi kashe tanga yo ki ka fala singi kashe o yebi atika ba to boye sans que allo belo ko ta boy ko aboy ko kende ko beta nino yo soko concert soko pe playback pe basala kana pe ke o a nino pour andre fali azwa ki mbonge bele ya azwa ki mbonge pe nino yo moki est-ce que ça normal ça normal te fatika ne ki mon tema ma bon moni soko 12 o ya yo lo baka za grand nino yo mota ba 12 yanga ba beti yanga siko ba cheke stade de marteau sai ba pata sala so mon soso ta sala so 3e Banda banda ko salaka ba mina ba osale lokote ye banda banda osalaka. Eza normal te. Ozo mon eza normal. Merci de mère. Merci beaucoup maman. Mama pamolo continue mon sala na o ndongo zo salaka bongo. OK. Merci beaucoup maman. Ya kanisa ya za roi des 12. Ya kanisa za la reine des 12. C'est dit bon? Non beta bon jeu ki zengi. Na se retire ton zonga. Na se retrouvé la finale. En cas, il y a une zone finale, si on va signer contrat, on est obligé d'honorer le contrat. Amoara a joué 12 fois 7. 12 fois 7 jours de la semaine. Papa, papa, papa! Allez, allez, la mouki. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Je suis en train de participer à la zone de 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 la zone de
Kembo kuna nan basangani penza libog ba kesa la sardine kuna ko peut-être il y aura des belles poissons peut-être peut-être il y aura de belles poissons ok ça la faire au moins quand on suki oh aujourd'hui 12 té aujourd'hui 48 attends tout 72 peut-être vous le qui mutia ma befu la basangana kina basna bino bolinga falite na batuna bino oh na bataba wenge bon on va combattre Fali ah Fali aigle t on va les musica si quand on se là on ressent les choses sur qui troisième publicité sur qui sport sur le bega on y nous on a hier à tout le monde là mon matin on est là il fallait bimisi bimisi communiquer mais comment bega oh Akimi bon bino si quoi à mon les musica bino si quoi Akimi t'es bossa ngani kuna au terrible au deuxième stade donc le qu'est-ce qu'on va mettre à la deuxième stade kuna aujourd'hui penza aujourd'hui qui nous tient avec vous t'as raté aujourd'hui penza t'as trandé là bas tu n'as pas là aussi quand t'as la côté au rostuka mité maman B merci nakati nanaï merci beaucoup maman voilà on continue appelez Kembonek allô bonsoir bienvenue on vous écoute. Oui, de mère Nyang et Mokusa dans le lim. Ah, mère. Ah, bonsoir, bienvenue. Oui, bon, merci beaucoup. En tout cas, par rapport à le sujet, en réfléchissant, mûrement, j'ai lu le spot de l'artiste. Je me suis dit que le gars a bien réfléchi. En tout cas, il a bien réfléchi par rapport à cela. Et. Ah, pour ça, ça va te visibilité. Ah, comme la visibilité, il y a gratuité. Donc, du coup, il y a ma camoto à combien il m'a dit de l'élever dans ma zone en anglais. Donc, du coup, à ma zone, je me dis que l'élo Fali ali unité de mesure à musique congolaise. Bah, tout bah, pour ça, bah, c'est mesuré là. Il m'a naï, c'est rigolo. C'est quelqu'un aujourd'hui, tout ce que Fali fait, il veut vraiment se mesurer à Fali. Mais, au prix à Nîmes, Lelo Bati n'a pas de martyrie à Sali Poste en disant que lui va prester le 4. Après le 4, quelqu'un, Fali Poupa, a signé un contrat avec Vivendi. Vivendi, après avoir signé le contrat, le gars décide aujourd'hui de pouvoir prester le 28 et lui revient à co-prester. Mais il y a un problème que Tonton Bev avait souligné. Il y a Mokolo Akindo Talana, à côté de la commissaire. Mokolo commissaire, il y a national, il y a. Il y a joué à Francophonie, à l'Obaguinim. Le contrat était stipulé que Ferrego là est appelé pour mobiliser la jeunesse parce qu'il avait fait un Batebine qui n'a pas concerné les jeunes. C'était le but du contrat. Il était là uniquement pour mobiliser la jeunesse. C'était simple. Il n'y avait même pas un document qui a été notifié ou signé. Tout mon avis, Rédi a mis ici à côté de la bureau, a signé que Mokanda, Mokolo a fait Ferrego là. Si à ta signature à contrat, Mokolo a quitté. Mais vu que Fali, Motabe a robé tana ouverture, et Mimi, Moté Makito, il y a Kanisi qui a donc, il y a les Kilingabanyatinga 12. En que 12, il y a Batoubangou, Batawengi, Batoubamesana. Donc aujourd'hui, Fali n'a pas contrat tout Anango. C'est Vivendi, c'est pas aujourd'hui. Depuis le Cameroun, Fali va banaguer dans le Cameroun depuis Vivendi. Il y a même Post Mogo à Salaki, je pense que c'était au mois de mars. À la qui veste à rouge, croisé Moko à rouge, à ça la qui ouverture de jeu pour les hommes avertis. Et Ngoul Bani, l'artiste, en étant que professionnel, il m'a lagué depuis Kala. Aujourd'hui, il n'y a pas que Ferry, c'est tout le clan Wingy, et Zalaba Papa, Naba Bama, veulent se mesurer à Fali. Voilà pourquoi, quand je réfléchis, je dis que aujourd'hui, la carrière de Fali Popa vaut la carrière du clan Wingy dans son ensemble. Ils à la papa, ils à la banane. Parce qu'aujourd'hui, ce que ce monsieur fait, ça n'a jamais été de la musique congolaise. Il y a d'autres personnes qui viennent dire que non, Akimi Farafara, mais c'est là. Oh, quel bon Farafara, même. L'aigle ne vole pas avec les oiseaux. Ça dit Bandega Kili qui doit en voler, qui n'a pas monté. Voilà pourquoi il a dit qu'il laisse la place aux autres. Ça dit. En fait, à Jumye Goutoubango, on a un message à Jumye Goutoubango, mais Bango Bazo comprend en côté tellement que. Ah, bon, on a la bine de Rawana, monte, et ça la moi, bon, on comprend plus. En tout cas,
c'était ma participation na yana na ngelaté mais tant la tangibo wana na bin vieux à danger ndinga sasi bango vraiment bon golo a mali le balle na été ce bali hein ba wa vraiment ba tanga na moni vieux à mitsi en tout cas mère nga la kation voilà que intervention na nga na tiki de bali na mbisu baloba merci bonne soirée en tout cas coup de chapeau à dab merci ba surtout qui boye baté baza na réaction nini en fait. Que, bah, quelle est la bonne réaction à avoir dans cette histoire? Ils ont été pris par surprise quoi. Allô, bonsoir. Bonsoir des mères. Bonsoir. Bon, Vous ne savez déjà pas me viser, mais vous ne savez pas si vous êtes plus. Et nous, on a le barrage, on a la dernière de la CP. Bonne soirée. En tout cas, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Bye. En fait, le volume n'est pas bas. Je pense que son téléphone était bas parce que ma peine nous s'est aussi. Volume est ma casse. Enfin, bref. Pour aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de. J'ai fait deux lives et puis de genre 2 heures. Et puis, genre 1h30. Aujourd'hui, je vais finir le live tôt pour pouvoir me reposer. Demain, on va faire encore un autre live hyper lourd. Je ne sais pas si je serai avec tonton Bev. OK? On va parler d'un sujet qu'il fallait qu'on... Ah, d'accord. On va parler du cachet de Fally. S'il va remettre, s'il ne va pas remettre, comment est-ce que ça va se passer? On va en parler demain. Et puis, demain, on va aborder d'autres angles toujours autour de la décision de Ferrigo et de Fally Poupa par rapport au jeu de la francophonie. On en parlera encore demain. Cette histoire n'est pas finie. C'est pas encore fini. On a encore demain. Et puis, on a encore le 5. On a encore... on a aujourd'hui le 4. On a le 5. On a jusqu'au 6. On a le 7. Donc, on est encore là. On va en reparler. Je vous ai rendez-vous demain. Tenez-vous prêts. Merci à vous d'avoir suivi ce live. C'est une folie, la désorganisation qu'il y a. Mais anyway, on va voir ce que ça va donner demain. Même les Gaulois n'ont même pas le courage de célébrer le retour de Ferré. Parce qu'à la base, Esopi Bango, en fait, de faire à l'ongwa, pas d'enthousiasme, et puis ils sont mitigés, quoi. Donc voilà, après on vous regarde comme ça. Fallait avoir pris une bonne décision. C'est pas que j'aime pas Ferré, mais à un moment donné, il fait des choses. On croit en toi, on t'encourage, on te motive et tout, et on dit, ouais, vas-y, vas-y, après le stade. Après, c'est toi qui te mets dans n'importe quelle situation débile. Enfin, bref, c'est au rendez-vous demain. Dormez bien, je vous aime énormément. Je porte dans mon cœur, je vous dis à demain. À ne pas manquer le live le plus lourd. Je vous dis, attachez vos ceintures. Bye bye, bisous. Je suis coach de l'Onyang Yimoukousi à l'hymne national. La...